La station météorologique de la région de la baie totalise 48 postes pluviométriques qui ne fonctionnent pas. C'est à partir de ça qu'on peut récupérer la pluie. Nous avons les éprouvettes pour mesurer la quantité de pluie enregistrée en 24 heures. Nous avons les carnets et nous mettons dans ce carnet que nous allons prendre journalièrement. À chaque heure, on essaye de faire le cumul mensuel. C'est ce cumul mensuel-là maintenant que nous allons calculer, que ce soit mensuel ou annuel. Donc on avait des stations pluviométriques qui fonctionnaient. Dans toutes les sous-préfectures, on avait installé des postes pluviométriques. Ça fonctionnait. Ça fonctionnait et on pouvait recueillir toutes ces données et choses au même moment, à la fin de chaque mois. Dans les 5 préfectures ici, il y a Touguay, il y a une station là-bas, mais il n'y a personne, il y a manque de personnel, il y a manque de suivi. Cette insuffisance du personnel à déployer dans les sous-préfectures met la station météorologique de la région administrative de la baie dans l'incapacité totale de faire des prévisions. Nous avons beaucoup de difficultés. Les gens ont besoin surtout de la prévision. Voici le défaut de la prévision des gens, des stations de l'intérieur. Seulement qu'on a acquis qui peut faire la prévision. Mais en fonction de nos données de base. Parce que là, à chaque fois qu'on fait les observations, à chaque 3 heures, on envoie ces données à Conakry. Dans le cadre de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire, le centre météorologique de la baie a été récemment doté d'une station agro-météorologique. Mais les données recueillies avec cet équipement flambant neuf parviennent difficilement aux producteurs agricoles de la région. Nous avons toujours nos bases de données ici de 51 à nos jours. Comme ce que je vous le dis, j'ai ça. Toi-même, tu m'as trouvé en train de faire des études. Je suis en train de faire ces études pour les gens qui font les cultures maraîchères, comment les programmer. Mais les moyens nous manquent pour aller diffuser ça, pour aller vers les paysans, aller vers les villageois. Si nous on a ces bases de données ici, aucun ne donne pas. Ça n'a pas d'importance. Tout est au bureau ici. Mais comment envoyer au niveau du bureau? À part de notre salaire, il n'y a rien. On doit avoir les moyens de déplacement pour aller vers les paysans, aller vers les gens. C'est l'importance de la météo, ce n'est pas de garder, c'est-à-dire les données. A préciser que la station météorologique de la baie a été ouverte en 1940 par le colon. Elle était installée au niveau du bloc administratif préfectoral. C'est en 1951 qu'elle a été délocalisée à côté de l'aéroport où elle est actuellement.